Bienvenue dans le monde de Rock en Folie. Welcome to the world of Rock en Folie. Hello, chers auditeurs de Rock en Folie. Bienvenue sur Projet Rock. Je suis JR et comme chaque jeudi à 19h, je vous présente un groupe de la scène française. Il y a quelques semaines, je vous avais emmené à Toulouse pour découvrir le rock progressif de Esthésis. Eh bien, pour ce numéro, nous retournons dans la ville rose pour cette fois faire connaissance avec un groupe de power metal, Nemedian Chronicles. On commence tout de suite avec un premier titre. Voici The Thing in the Crypt. Écoutez,
découvrez, soyez curieux. Rockin' Foley, Independent Rock Radio. Ah, du power metal, enfin. J'aime beaucoup ce style, mais malheureusement, j'ai l'impression que la scène française ne déborde pas dans ce genre musical. Bon, par contre, qualitativement, certains groupes n'ont rien à envier aux plus grands. Et je pense que The Median Chronicles fait partie de cela. Pour les amateurs de power metal, et pour les fans de Blind Guardian, Hammerfall ou encore Manowar, il ne devrait pas être trop difficile de vous convaincre que ce groupe possède un gros potentiel. Pour les non-initiés au power metal, laissez-vous embarquer dans les histoires de The Median Chronicles, un groupe formé en 2017 et qui nous parle des aventures de Conan le Barbare et de Songe à la Rouge, tiré des romans de Robert E. Howard, l'un des maîtres de l'heroic fantasy. Si The Median Chronicles ne révolutionne en rien le style, ils maîtrisent parfaitement les codes et nous régalent de leurs morceaux épiques. Leur démo sortie en avril 2020 est un régal. 4 morceaux, 4 ambiances qui donnent une idée du potentiel du groupe. Du power avec une bonne dose de heavy metal et parfois de speed comme vous avez pu le découvrir avec le titre d'ouverture de cette chronique. Et si le CD de cette démo n'est plus disponible, ce n'est pas un hasard. Vous pouvez toujours le récupérer en format numérique, mais le meilleur est à venir. Mais ça, je vais vous en parler juste après cet extrait. Voilà, c'était un extrait de Born on the Battlefield. La grosse actu pour le groupe est la sortie de leur premier album qui est prévu pour 2022. Alors je n'ai pas de date à vous donner pour le moment, mais je peux déjà vous dire qu'il contiendra 12 titres et que j'ai hâte de pouvoir écouter ça. Mais auparavant, le groupe sortira un single qui ne sera pas dans leur prochain album. Il devrait sortir en fin 2021, voire début 2022. Mais là encore, pas de date précise, mais abonnez-vous à leur page Facebook si vous voulez les suivre de plus près. Pour ce qui est des concerts, pour l'instant, le groupe ne s'est concentré qu'au studio, mais ils comptent bien défendre leur album à sa sortie. Donc ce sera une autre bonne raison de s'abonner à leur page Facebook, ce serait quand même dommage de les rater. Je vous mets un nouvel extrait, voici Monster Slayer. On en termine avec The Median Chronicles, une excellente surprise qui m'a littéralement scotché, car pour une première démo c'est plutôt une réussite. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à les découvrir, en tout cas je suis sûr qu'ils devraient en surprendre plus d'un. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Projo T-Rock c'est donc tous les jeudis à 19h sur Rock en Folie, mais c'est aussi une chaîne YouTube où il y a déjà plus de 220 groupes qui ont été présentés, du rock, du metal, du punk. La scène française est bourrée de talents et vous serez surpris de voir toutes les pépites qui ont été présentées. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, eh bien allez faire un tour sur les podcasts de Rock en Folie. J'ai récemment été interviewé par Anthony pour son émission du lundi. Il va être temps de vous laisser, comme d'habitude, un dernier morceau pour clôturer cette chronique. Je vous laisse donc avec cet excellent titre de Song of Songja et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Ciao !
She's reborn in drought and steel, she's reborn in fire. She's the doom of the ones who raped her. For she knows the art to kill, leading by the saber. And she's a god to wash her broken honor. Now she dealt with the sword. Devilish sword. She has made a secret oath never to give her love. And now she's defeating it as a fight. When what she called her arm, here's the heart.
to no one.